bienvenue, Sam Porter Bridges. N'aie pas peur. Comme au bon vieux temps. Allez, suis-moi.
Putain! Faut se reprendre. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Higgs essaie de connecter les relais de votre réseau à la grève d'Amélie. L'avantage, c'est qu'on sait où il se trouve. Et comment on peut y aller ? Moi, je ne peux pas. Mais vous et Amélie avez un lien fort. Vous êtes allés sur sa grève plusieurs fois, non ? Vous arriverez à passer. Vous ferez ce qu'il faut pour moi ? J'essaierai de le prendre en vie. Promettez-le. Je veux que ce soit moi qui l'achève. Super. Alors, dans ce cas, je vous aide à y aller. Je ne peux pas nous y envoyer en même temps. Mais je serai juste derrière vous. Je croyais que vous pouviez pas y aller. C'est le cas. C'est vous que je rejoins. Grâce à ces liens qui existent entre nous. La trappe-rêve vous mènera jusqu'à elle. Et après ? Le Missanga me mènera à vous. Vous ne prenez rien d'autre ? Non, j'ai pas besoin d'armes. Je vais pas non plus emmener Lou.
Ah. Vous y avez pris goût ? Sam, soyez prudent. Si je m'en sors pas, prenez bien soin de Lou. Pour que ça fonctionne, je vais devoir vous toucher. Vous allez visualiser Amélie et sa grève. Vous l'aimez. Pas vrai ? Profondément. La voilà. Amélie ? Sam ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Prêt à en finir ? Avant la fin de tout ce qu'on connaît ? Censé faire. Je vais la garder en sécurité jusqu'à ce qu'on ait fait table rase du passé. Rien n'empêchera la sixième extinction. Peu importe ce que toi, moi ou quiconque pourrait faire, l'humanité n'a plus que quelques centaines de milliers d'années devant elle. Alors autant aller droit au but, accepter ce destin, comme les autres créatures avant nous. On sait ce qui nous attend. Pourquoi retarder l'inévitable à tout prix ? Nous autres qui avons le Dooms, elle, on a tous une raison d'être dans l'histoire. On joue tous un rôle essentiel dans le Death Stranding. Quant à cet endroit, cette saloperie de grève, il n'y a pas de rapatriement. L'heureux perdant aura l'immense bonheur de mettre fin à cette boucle merdique une bonne fois pour toutes. Non ! Il n'y a pas d'échoué, pas de néantisation pour nous faire chier. Ce sera un bon vieux combat de boss à l'ancienne. Le bâton contre la corde, le flingue opposé au lien. Une toute dernière débâcle avant la vraie fin. Un tout dernier game over. Je suis la particule de Dieu. Allez ! Hé, toi ! Par ici ! Attrape ! Où
Tout est passé! Qu'est-ce qui te retient, Sam? Solution. Il y en a plein. Tout ça dans quel but, hein? Une fin, voilà le but. La fin qui nous attend tous, aujourd'hui ou demain. Qui attend ce pays, ces villes, ces gens, tout le monde, toutes choses. Sa gloire d'antan ne revient qu'à retarder l'inévitable. Enfoiré ! D'ailleurs, la vie elle-même n'est qu'une mort en soi. Rien de dur éternellement. S'il y a bien une leçon à tirer de l'histoire, c'est celle-là. Il n'y a aucune place pour nous. On peut douter. Moi, tant que tu veux, mais le test standing est là pour le sérieusement, ça, c'est pour évidemment. Viens par ici et mets un genou à terre. Accepte dignement ta défaite. Pour une fois dans ta satanée vie, agis intelligemment. On y va, Sam ? L'extinction est à notre portée.
a bien une leçon à tirer de l'histoire, c'est... Alors viens et bats-toi. Essaye de lutter contre le destin si c'est ton devoir, mais fais quelque chose, merde! Enfin quoi, t'es bien venu jusqu'ici, non? Allez, Sam! Ça sert à rien de se cacher! On y va, Sam? Bingo! En homme. Merde, pas de munitions.
pas besoin de ce flingue, Sam. Je peux te battre. Je peux te battre! Allez, on va s'amuser! Sam. Personne ne croit. On a le Dooms, toi et moi, Sam. Ça ne peut pas se terminer autrement, tu le sais. Alors amène-toi! Oh!
Va te faire foutre, Stipe. Ben merde, Sam. Livre ça. On est plutôt du genre tactile, hein, Monsieur Lafen Phosmophobe. Félicitations, Sam. C'est toi qui as gagné. Mais dommage que t'aies pas arrêté ce merdier. Alors, t'accouches ou quoi? Il faut croire que j'ai fait forte impression. Je m'appelle Fragile. Mais je suis du genre coriace. Cette fois, ça va être ton tour de te briser. Ah bon, tu crois? Notre lien est vraiment robuste, tu vas t'en rendre compte. Oh, c'est trop triste. T'es déjà tout brisé. C'est quoi?
quoi ce bordel? Je suis X. Je suis la particule de Dieu qui imprègne toute existence. Toi, t'es rien. Il ne reste plus rien de toi aujourd'hui, chérie. T'es vraiment qu'une pourriture. Je vous ai gardé une métaphore. Emportez-le. Expliquez aux victimes du syndrome du porteur ce qui se passe quand on se cache derrière un masque. Non. Gardez-le. Ce sera beaucoup mieux si c'est vous qui le faites. Une dernière chose. Votre complice. J'ai réussi à la porter en le visualisant comme du matériel. Vous le prenez? Je fais pas de babysitting. Où est-ce que je dois vous envoyer? À l'est? Il n'a pas besoin de votre aide. Le réseau Kiral est là pour ça. Et puis je suis revenue. On peut se débrouiller sans vous. Eh bien, tant mieux. On vous est très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Ça va aller, maintenant. Et puis, je suis sûr qu'ils ont besoin de vous, chez Fragile Express. C'est ça. Qui d'autre pourrait ramasser les morceaux et tâcher de les recoller? Il n'y a que la perfection qui soit satisfaisante, rien de moins. Fragile. Nous voilà quittes. Plus de dettes, plus rien à ajouter. Au revoir, Sam. Dépêchons. Nous avons encore du pain sur la planche. Est-ce que tu crois encore en moi? Sans Higgs, je reste une bombe à retardement ambulante. Je peux mettre fin à tout ça d'un coup. Mais ce que je veux, moi, et ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est en faire partie. Que nous ne fassions plus qu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux la vérité. C'est pour qui, tout ça? Toi ou Bridget? Tout ça, c'est pour notre pays. Pour notre avenir, voilà la vérité. J'ai une chose importante à t'avouer, Sam. Quand tu étais à l'est, je me suis enfuie d'ici pour te rendre visite. Quoi? Alors tu m'as menti? Tu te fiches de moi? Tu sais ce que j'ai traversé pour te rejoindre ici.
Sans ça, tu n'aurais jamais fait tout ce chemin. Tu t'en moquais éperdument. De l'Amérique, de Bridges. Mais on savait ce qui comptait vraiment à tes yeux. Et on savait ce qui te motiverait à traverser tout le continent. Une bonne raison de bâtir les UCA. C'était une idée de Die Hard Man. Super. Alors, je suis Mario et t'es la princesse Peach. Et t'as raison. J'en ai jamais rien eu à faire de ce pays. Je suis lié à rien ni personne, à part toi, bien sûr. Je suis vraiment navrée, Sam. Tout s'est bien passé, finalement. Au moins, ça s'est fait. Je sais que tu as des questions, mais est-ce que ça peut attendre? Rien qu'un peu. Oui, bien sûr. Si on rentrait? Comment? Est-ce qu'on fait un passage comme Fajay? Non. La grève nous y conduira. On court, tous les deux. On court? C'est ça. Comme Mario, mais avec la princesse cette fois. Attends là, d'accord? Bien, dans ce cas. Faites-vous plaisir. Il n'y aura pas de rédemption. Du moins pas pour nous. Oui.
C'est bien moi. John. Vous vous rappelez ? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Regardez pas là où il le faut. Bébé ! Sam, ce n'est que moi. Désolé, je ne voulais pas vous surprendre. Où est-ce que je suis ? À l'est de la ceinture de poids, votre chambre privée. C'est Amélie qui vous a amené là. Où est-ce qu'elle est ? On n'en sait rien. Elle n'est pas revenue dans l'est ? Non, mais après s'être occupée de vous, elle a pris contact avec le siège et laissé un message. Qui disait quoi ? Je vais terminer ce que Bridget a commencé. Voilà, c'est tout. Et ensuite, plus rien. Bridget. Mais oui, je l'ai vu sur la grève. Sam, arrêtez. Vous l'avez incinéré vous-même, vous vous souvenez ? Elle aurait jamais pu rester sur la grève. Impossible. Ça doit être la grève de sa fille, c'est pareil. Où sont les rapports ? Consultez-les, vous verrez. Je ne peux pas. On n'a rien su du tout. Les seules traces qu'on ait sont ce que vous avez dans la tête. De quoi vous vous souvenez d'autre ? Le soldat était là-bas. Cliff. Il a pris Die Hardman en otage. Le directeur ? Ça paraît plausible. Eh bien, en tout cas, ça expliquerait pourquoi on est sans nouvelles de lui depuis si longtemps. J'ai toujours eu des doutes à son égard. Je commence à entrevoir un tout autre scénario que celui que j'avais en tête. Quelque chose me tracasse depuis un petit moment. Notre raisonnement se base sur une supposition. Que Cliff est la marionnette de Higgs. Mais au vu de ce qui se passe, c'est impossible. Puisqu'on s'est débarrassé de Higgs, alors que Cliff est toujours là à faire des siennes. Vous croyez que c'est Cliff, le cerveau ? Oui. À mon avis, il retient prisonnier Amélie et le directeur sur la grève. Alors, je sais où aller. Attendez un peu. Où est Fragile ? Elle est en sûreté ici, avec nous. Mais aussi longtemps que vous resterez là-bas, elle ne sera pas en mesure de vous envoyer sur la grève. Quoi ? Il faut que vous compreniez, Sam. Pendant que vous étiez dans les vapes, la situation a beaucoup évolué.
On vous expliquera tout. C'est promis, mais... D'abord, il faut vous reposer. Hein? C'est compris? Me reposer? Je vais retourner sur cette grève. Et Lou, alors? Votre bébé n'a pas besoin de se reposer non plus? Sam, grâce à vous, on a réussi à étendre le réseau chiral d'une côte à l'autre. Et vous avez brisé Higgs, qui était l'ennemi numéro un des UCA. On n'aurait jamais pu en arriver jusque-là sans votre aide, mais il nous reste encore une dernière étape à franchir. Il va falloir qu'on intronise un nouveau président, et qu'on mette en place un gouvernement fonctionnel. C'est seulement là que l'Amérique pourra renaître. Gardez vos conneries pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai déjà donné, j'emmerde l'Amérique. On a beaucoup plus important à gérer. Je vous comprends, Sam. Le gouvernement est vraiment loin d'être notre priorité pour l'instant. Cliff détient Amélie, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être plus rien à gouverner d'ici demain. Enfin, si on arrive à demain. Dans ce cas, pourquoi on reste là à rien faire? Je m'en fiche de ce qu'elle est. Je veux seulement qu'on la ramène. Vous avez raison. Sauver Amélie et éviter la sixième extinction, ça revient exactement au même. Mais quoi qu'il en soit, pour que ce soit possible, il faut absolument que vous reveniez à l'Est. Nous ne sommes évidemment en aucun cas en position de vous donner des ordres. Mais je vous en prie, réfléchissez. Nous n'avons pas d'autre solution. Sam, tout le monde est ici sauf vous. Grâce à Fragile, nous sommes tous revenus au siège. Comment ça va ? Parfaitement bien. Faire passer autant de personnes en si peu de temps, c'est... nouveau. Mama ? Pardon, Lochne. Oui, je suis là aussi. Histoire de me rendre utile. Nous comptons tous sur vous, Sam. Je vous préviens, pas question que je me retape cette route à pied. Alors, Fragile, vous m'aidez ? Je ne peux pas, Sam. Pas seulement à cause de mon état. On ne peut plus faire passer des gens par les grèves sans danger, maintenant. Il y a de plus en plus de pics qui roulent depuis quelque temps. C'est peut-être l'une des résultantes de l'extension du réseau à tout le pays. Il y a trop de grèves qui se partagent un même espace. Les fils s'en mêlent inévitablement. D'ailleurs, comme vous le voyez, le réseau lui-même en souffre. Vu les circonstances, ce serait trop dangereux de passer par une grève. Si j'atteignais une grève, où est-ce que j'atterrirais de l'autre côté? Et si je restais coincée? C'est pour ça que je ne vous rejoins pas. Mais si je peux atteindre l'entrée d'une grève, alors je peux vous faire passer. Les grèves ne se sont pas volatilisées après tout. Je suis bien placé pour le savoir. Alors oui, vous allez devoir vous retaper toute la route à pied. Mais quand ce sera fait, je vous promets de vous conduire à Amélie, tout droit jusqu'à sa grève. Il y a un lien très particulier qui vous unit tous les deux. Votre attrape-rêve, son kippo, ce ne sont pas que des babioles. Ce sont des totems uniques et irremplaçables qui viennent matérialiser vos souvenirs communs, les deux faces d'une pièce. C'est le prix à payer pour atteindre sa grève. Les attrape-rêves sont le produit d'une tradition amérindienne, un héritage du peuple Ojibwe, pour être plus précis. Ils avaient pour vocation de repousser les cauchemars, ce qui donc modifiait les rêves. Si le Dooms est bien un cadeau que nous fait Amélie, ce dont elle rêve pour notre avenir, peut-être que votre totem vous invite à modifier son rêve, un défi, vous encourageant à trouver l'espoir dans les ténèbres. En attendant que vous reveniez, il faut que je localise Amélie et le directeur. Je doute que mes liens avec eux soient assez forts, mais ce sera toujours mieux que d'attendre en se tournant les pouces. Je vais fouiller les archives, voir si je peux trouver quelque chose sur eux trois. Ils doivent être plus liés qu'on ne le pense. Allez, on vous attend. Le retour sera plus facile, non? Filez vers l'est, vous connaissez le chemin. Et quand vous y arriverez... Oh. J'ai été plus rapide. Allez, il est temps de partir. Ne vous trompez pas, prenez vers l'est, vers la ville relais du lac.
Vous n'avez pas de marchandises à livrer pour une fois. Ou plutôt, c'est vous la marchandise. Voilà votre mission. C'est dégueu.